L'ange numéro 39, Réael. Il régit du 4 au 8 octobre. Il est l'ange de la soumission. Avec son énergie, on développe une profonde réceptivité pour se soumettre au mouvement naturel de la vie, sans protester, en comprenant que le sens de ce qui nous arrive est toujours pour nous aider à évoluer. Cet ange nous aide à bien vivre la relation avec le Père. Il nous aide à transformer toute forme de rébellion ou d'insoumission. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Soumission, réceptivité, grande sensibilité, ouverture de conscience générant une compréhension profonde, humilité, capacité d'accueillir et d'accepter ce qui nous est révélé par la loi de la résonance. Respect de la hiérarchie. Capacité d'écouter les autres. Confère la confiance des supérieurs. Parfaite soumission à des parents et à une autorité juste. Amour paternel. Obéissance et respect. Guérison des maladies mentales, des dépressions et de l'angoisse. Régénération. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Problème avec la soumission. Tendance à être trop soumis ou à refuser de se soumettre, insubordination, rébellion, manque de réceptivité et d'ouverture, hypersensibilité ou insensibilité, difficulté à être à l'écoute des autres et trop centré sur soi. Attitude mégalomane. Irrespect de la hiérarchie sur tous les plans. Crime contre les parents et les enfants. Projection des parents sur leur enfant de ce qu'ils n'ont pas réussi. Violence, haine, cruauté. Autoritarisme. Impose l'obéissance avec une sévérité cruelle. Maladie mentale. Problème émotionnel. Anxiété, angoisse, dépression.
suicide. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Autoritarisme, genou, hernie, méningite, ouïe, père, prostate. Douce pensée angélique. Thank you.